beaucoup de fois à mes yeux voir ce chien avec guerrier blanc. S'il lui être ici, long couteau, eux, pas être loin. Pas les armes, ce sont des amis. Comment vous le savez, Henri? Ce sont des Shirakawa. S'ils n'étaient pas nos amis, quand nous les aurions vus, il aurait été trop tard. Vous avez sûrement raison. On dirait qu'ils viennent pour tenir un conseil. Je suis Komowi, fils de Socorro, le chef des Shirakawa. Je suis le lieutenant Masters du 101e cavalerie. Nous venons ici en amis. Alors pourquoi conduire tes guerriers sur territoire de chasse des Shirakawa? Grand chef blanc a dit, ces prairies rien qu'à nous. Ce que tu dis est vrai. Ces terres ont été concédées à ton peuple par le dernier traité de paix. Cet accord doit être respecté. Beaucoup d'hommes blancs ne pas respecter accord. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour délimiter vos territoires et interdire aux chasseurs blancs de tuer les bisons des Shirakawa. Toi venir pour ça? Oui. C'est bon. Quand le soleil quittait le ciel, toi venir au camp de mon père Socorro pour fêter. Et fumer qu'allumer de paix. Entendu, j'accepte. Je souhaite à ton père de vivre 100 ans. Et moi souhaitez-toi vivre autant. Venez. Nous abattre bison pour festin. Oh, Rup, j'ai jamais vu chasser le bison. Petit guerrier, bienvenue pour chasser avec Komowi. Je peux y aller, Rup, ou je peux y aller, dit. Nous avoir confiance en long couteau pour maintenir paix. Long couteau, pas avoir confiance en Shirakawa pour petit guerrier. Tu peux y aller, Rusty. Merci, lieutenant. Nous serons au camp de Socorro au coucher du soleil. Petit guerrier sera de retour. Ça ne me plaît pas beaucoup, lieutenant. Rusty qui s'en va avec ses Indiens. Il était difficile d'agir autrement, Clark. Rusty tenait à y aller. Les Shirakawa sont très susceptibles. Si j'avais refusé, il se serait considéré comme insulté. Il a engagé son honneur pour qu'il n'arrive rien à Rusty. Regarde les bisons, petit guerrier. Oh, c'est un grand troupeau? Non, petit troupeau. Bien longtemps avant, grand bison remplissait prairies aussi loin que l'œil pouvait voir. Un homme pouvait traverser vallée en marchant sur dos des bisons. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le chasseur blanc lui venir pour abattre bison, pour tuer et squelette de bison faire grande tache blanche dans la prairie. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Ils n'avaient pas besoin d'autant de viande. Homme blanc tué souvent par plaisir. Pour autre homme blanc, abattre bison est façon d'abattre homme rouge. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bison être toute la vie de mon peuple, petit guerrier. Nourriture, abri, vêtements. Notre existence. Si bison disparaître, indien disparaître. Impossible de vivre sans eux. Dois faire attention, pas approcher. Mal blessé, être très dangereux. Bon, Rodin, on va rester ici tous les deux, on va regarder. Soyez prudent, comment oui. Faut être prudent aussi. Celui-là est à moi. Cette bête est à moi, pour rouge. Qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Pourquoi vous êtes ici? Quoi vouloir, homme blanc? Ma parole, je me demande pour qui il se prend, cet indien. On n'a pas de compte à te rendre. Allez, sauve-toi et ne touche pas à ça.
Rappelle-toi ça, Apache. Pour chaque bison que tu tueras, nous tuerons un Indien. Une peau rouge contre une peau de bison, c'est clair. Vous, homme méchant, cette terre jusqu'à rivière est concédée à mon peuple par homme blanc. On n'y touche pas à ta terre, tu peux la garder. Ce qui nous intéresse, c'est les bisons. Non. Ceci reste de nos terres et reste de nos troupeaux. Nous mourir plutôt que tout perdre. Restez tranquille si vous tenez votre peau, compris? Vite, Randada. Va chercher Harry. Amène-le ici, tout de suite. Youhou, Randada! Allez, debout! Vous trahir votre peuple qui désire paix. Nous aussi désirons paix. Mais Shirakawa luttait pour garder ce qui est à eux. C'est ce que j'ai toujours pensé, Keller. Donne ton petit doigt à un Apache et tout le bras y passera. Écoute, chef, quelqu'un a commis une grosse erreur en faisant ce traité. Vous avez payé trop cher pour avoir la paix. Un homme malin ne doit pas rendre les choses trop faciles à ses ennemis. Mais le traité a été fait en amitié. Ah, on perd notre temps. On peut pas raisonner avec un Indien. Allons rattraper le troupeau et forçons-le jusqu'à la rivière. Je vais avoir l'œil sur ces sauvages jusqu'à ton départ. Laissez-moi. Arrêtez. Un brave petit gars. Allez, donne-moi mon revolver. Le salapache a voulu me tuer. Ne bougez pas, monsieur. Hein? C'est vous qui avez commencé. Quoi? Ah, vaillant, écoute, petit. Vous vous expliquerez avec le lieutenant Masters. Il va être là dans une minute. Moi, faire confiance au lieutenant Masters. Nous attendre. Ne restons pas ici. Vous pourrez raconter votre histoire. Voilà le lieutenant Masters. Donne-moi ce revolver, Rusty. Que se passe-t-il? Je m'appelle Garth, lieutenant. Et je demande justice. Cet Indien m'a attaqué. Je lui faisais rien. J'ai vu ce qui s'est passé, Harry. C'est pas Komori qui a commencé. Et si vous me racontiez l'histoire par le début, monsieur Garth? Qu'est-ce que ça veut dire? De quel côté êtes-vous, lieutenant? Je suis du côté du droit. C'est un Indien, non? Et moi, je suis un homme blanc, comme vous. La couleur de la peau n'est pas la preuve qu'un homme ait tort ou raison. Il est venu avec d'autres chasseurs pour tuer les bisons. Où sont les autres? Mes guerriers partis les chercher. Regarde, eux reviennent. Vous aurez de la chance, vous et vos amis, si vous vous en sortez à bon compte. Destruction de gibier sur les réserves de chasse des Shirakawa et violation délibérée du traité de paix. Vous, les bons amis des Indiens, vous avez été contents de nous trouver. Les chasseurs de bisons ont fait plus en une année pour arrêter les Indiens que l'armée en 30 ans. J'ai déjà entendu cette théorie, mais elle est fausse. Si on enlève à un homme ce qui est nécessaire à sa vie et s'il est traqué sans cesse, il combattra n'importe qui. Moi, je ne me laisserai jamais faire par un peau rouge, qu'il ait raison ou tort. Et pas plus par celui-là que par un autre. Un bon conseil, monsieur Garth, que je ne vous revois jamais plus sur le territoire des Shirakawa. Et cela s'adresse aussi à vos amis. Je ne voudrais pas avoir d'ennui, lieutenant. Pourriez pas arranger ça? Comme oui. Si tu laisses partir ces hommes en paix, ils te promettront de ne plus jamais revenir. Prends des fusils. Laissez-les partir. Allez, monsieur Garth. Et rappelez-vous, vous devez votre vie à cet Indien. Je n'oublie pas ce que je lui dois. Vous pouvez en être sûr. Nous adresser prière au grand esprit. Cœur de nos frères, être toujours aussi près que sont nos mains dans cette réunion. Si c'est pas malheureux de faire des singeries pareilles.
Je vais leur rafraîchir les idées. C'est plutôt toi qu'on devrait rafraîchir. Philippe et Grunet ont raison de dire que tu vas un peu trop fort. Je voudrais les voir à ma place. Tout petit, j'ai vu les Apaches tuer ma famille. Et depuis, aucun Indien qui m'a touché n'a eu la vie sauve. Il t'a laissé partir, il t'a pas scalpé, alors n'y pense plus, vous êtes quitte. Quand nous serons quittes, je n'y penserai plus. Si c'est comme ça, je pars avec Philippe et Grunet. Notre métier est de chasser les bisons, pas les hommes. Je ne te retiens pas, mais fais en sorte que je ne te retrouve pas sur mon chemin, Keller. Car il y a des hommes que je déteste encore plus que les peaux rouges. C'est les lâches. Mon fils m'avoir beaucoup parlé du courage et sagesse du petit guerrier. Que ses yeux puissent voir le bison blanc. Quoi, le bison blanc? J'en ai jamais vu. Peu d'hommes l'ont vu. Dans mon peuple, on dit toujours que si bison blanc apparaît, le grand esprit lui sourit. Est-ce que vous l'avez vu? Peut-être. Un jour, quand moi, être enfant, j'étais perdu dans montagne. Là, il m'a semblé voir apparaître bison blanc qui m'a montré chemin. Mais beaucoup de lunes sont passées et nuages ont obscurci ma mémoire. Et moi, plus savoir si mes yeux ou seulement mon cœur l'a vu. Cela était réel ou simplement un rêve, je ne peux dire. Et vous l'avez jamais revu? Aucun homme ne peut le voir plus d'une fois dans sa vie, petit guerrier. Et il lui apparaît seulement... que j'appelle le sorcier. Non. Non, toi, restez avec moi, mon fils. Avant que moi, aller faire long voyage vers meilleure terre de chasse. Peut-être que là, je pourrai revoir Bison Blanc. Bonne chasse, Socorro. Il a réussi à sauver, c'était garde, lieutenant. Oui. Kian, ramenez le chariot au fort et donnez l'alerte. Tout le détachement en selle. Nous lui donnons la chasse. Lieutenant, qu'est-ce qu'on fait, Radada et moi? Fiston, cet homme est dangereux. Tu resteras ici avec Rintintin jusqu'à notre retour. Oh, bon, lieutenant. C'est moi qui dois le trouver. Mon peuple doit punir cet homme. Il est aussi coupable d'après nos lois que d'après les vôtres. Laisse les hommes blancs se charger de lui. Non. Moi être nouveau chef. Moi venger mort de mon père. Il y a déjà eu trop de sang versé entre nos deux peuples. Tu aurais tort de faire justice toi-même. On ne peut compromettre la paix par la faute d'un homme. Si Long Couteau veulent combattre Shirakawa à cause de Garth, alors nous combattre jusqu'à la mort. Mais comprends-moi, c'est ce que Garth recherche, dresser les hommes rouges contre les blancs. Et une fois le traité violé, la guerre commencée, des hommes tomberont de chaque côté. Seuls des canailles comme Garth y gagneront. Tu parles vérité. Nous rechercher cet homme ensemble et toi le livrer à la justice de ton peuple. Mais si lui pas être puni, le traité être mensonge. Et moi préférer faire guerre honnête que garder paix avec traité malhonnête. Ah, oh, Rintintin, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont partis. Je crois pas qu'il a pu s'en tirer. C'est sûr que Rip et Komaoui vont arriver à le rattraper. Mais ils auraient dû nous emmener. Toi, en tout cas. T'es le meilleur pisteur du territoire. Si Garth s'en sort, Komaoui va être foudrage. Et les Shirakawa pourraient prendre le sentier de la guerre. Alors faudrait se battre contre eux, on est des soldats. Ça me plairait pas de combattre comme Aoui, il me plaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est ce que je pensais. Un cheval de la cavalerie. Et les mustangs des Indiens sont pas ferrés. Il n'y a pas longtemps qu'il est ici. Il n'y a pas de rouille. On est sur la bonne piste, mon vieux.
Ça devient une habitude, petit gars. Tu me mets encore en joue avec mon revolver? Cette fois-ci, ce sera la dernière, monsieur. Radada, va chercher le lieutenant Masters. Amène-le ici. Vite! Youhou, Radada! Tu sais te servir de ce joujou, fiston? Je vous conseille pas de m'y obliger. Je vais y réfléchir. Eh ben, je vais quand même courir le risque. Ne bougez pas! Oh, c'est inutile, petit. J'ai pensé à tout. À toutes ces sornettes que les hommes sont tous frais, hein? Tu crois ça réellement, hein? Alors, tu ne flanquerais pas une balle dans la peau de ton frère, hein? N'approchez pas. D'ailleurs, vous ne pourriez pas aller loin. Votre cheval s'est sauvé. Et le lieutenant Masters va arriver. Ben, il faudra qu'il me rattrape. À moins que tu me flanques une balle dans la peau. Hein? Au revoir, petit. J'ai manqué de l'être aussi. Il chargeait derrière moi. Je suis tombé, j'ai regardé là-haut et je l'ai vu. Comment expliquer ça? J'ai toujours entendu dire que rien ne pouvait arrêter une charge de bison. Qui peut expliquer? Si ce garçon a vu ou pas vu, cela n'a voir aucune importance. Son cœur est brave et loyal comme légende dit qu'il doit être. Peut-être il a vu le bison blanc. Qui peut dire? Au revoir, Komori. Nous reviendrons bientôt. Nous comptez les jours, brave petit guerrier. En colonne par un! En avant! Marche! The legend says you'll find him if your heart is brave and true and you treat all men as brothers no matter they do. I've searched for that valley since I started to grow. I won't stop until I find it. And the white buffalo, for I know.